définiriez cette victoire comme facile? Ouais, ça n'a pas été trop difficile. Il y a eu un match bon, au petit trot. Hein, on a tranquillement fait notre job. On a eu un début de match qui était moyen. Après, au bout de 20 minutes, on a été un peu mieux. Bon, on a marqué le but qu'il fallait. Après, on a changé le système à la mi-temps, on est passé en losange. Et bon, là, ils ont eu des soucis, on a pu faire la différence. Puis après, c'est de faire courir le ballon. Non, bon, c'est satisfaisant, 3-0. Bon, l'équipe est européenne, l'objectif est atteint. Pour moi, c'est une belle saison parce que bon, Montpellier avait une très bonne équipe. Montpellier reste un très, très, très bon club. Non, c'est bien qu'on ait pu, sur la durée, faire la différence. C'était une bonne préparation aussi pour la Coupe de France? Ouais, bien sûr. Mais c'est un autre monde après. C'est un autre monde après. C'est Lyon. Lyon, c'est une galaxie maintenant. C'est comme hier soir, le Real Madrid. Chez les filles et chez les garçons, il y a deux équipes. Chez les garçons et chez les filles, le Lyon. Nous, on est très loin, trop loin d'eux. C'est même pas fort à faire. Mais bon, ça fait rien. Il faut que les filles soient courageuses, intelligentes, disciplinées, comme on a pu faire chez nous. Même si on ne va pas partir à faire au fusil, si on part à faire au fusil, on va en prendre 10. On va essayer d'être intelligent, essayer de peut-être mieux ressortir les ballons et peut-être de se créer des occasions pour marquer ce but important. Bon. Non, il faut être ambitieux, c'est toujours un titre, mais pour moi le titre c'est surtout d'être européen. C'est pas signé, logiquement c'est demain, mais il y a, moi je vous dis, je suis comme Saint Thomas, moi. Quand c'est signé, ok, pas de problème, c'est vrai que bon, ça serait surprenant que ça se passe pas, hein, mais bon, non, puis bon, ça serait un beau challenge. Ok, merci. Patrice.